Et salut les amis, on se retrouve sur No Man's Sky pour mon avis de la mise à jour Origins. N'hésitez pas vous aussi à donner votre avis, vraiment votre avis de cette mise à jour là, ce que tu as pu découvrir, ce que tu penses de la mise à jour, combien sur 10 tu lui donnes, vraiment n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires, combien sur 10 tu lui donnes, 10 sur 10, 5 sur 5, elle t'a déçu, elle t'a pas déçu, tu as adoré, t'es un nouveau joueur, t'as acheté le jeu exprès parce qu'il y avait cette mise à jour là. Cette mise à jour là, je vous dis clairement les amis, on est arrivé, moi qui quelqu'un qui regarde beaucoup en termes de statistiques sur Twitch par rapport au nombre de spectateurs qui regardent et tout ça, au lancement sur Twitch, on était à environ 20 000 spectateurs qui regardaient No Man's Sky, c'est juste énorme. Je pense que même c'est même le record, hein, presque le record. Parce que Beyond, je crois que c'était 15 000, 15 000, un truc comme ça sur Twitch en termes de spectateurs. Et moi je suis quelqu'un qui va tous les jours sur Twitch pour regarder les statistiques de certains jeux. Et j'aime bien regarder ce système-là. Et ça montre que la mise à jour était quand même importante. Et elle a fait vendre, j'en suis sûr et certain. La mise à jour a fait vendre du jeu. La mise à jour est gratuite. Le mec, il a juste la personne. La personne, elle a juste à acheter le jeu et elle joue au jeu avec toutes les mises à jour qu'il y a eu gratuitement. Elle joue à cette mise à jour Origins gratuitement. C'est ça le point fort, les amis. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gratuit. C'est juste ouf. Le jeu est en promotion. Tu achètes, mettons ton jeu, tu le trouves, mettons d'occasion, mettons. Je sais pas, d'occasion, mettons. Tu le trouves à mettons 5 euros ou 10 euros, je veux dire voilà, c'est même neuf, tu vois, même tu peux le trouver même à 20 euros tout neuf, sur internet tu peux le trouver à 20 euros, pour 20 euros mettons tu vas jouer un jeu qui a eu des mises à jour consécutivement, mais juste magnifique, c'est sûr, Origins c'est la plus magnifique mise à jour qu'il y a pu avoir sur No Man's Sky, clairement les amis, c'est ma préférée mise à jour, c'est ma mise à jour préférée. N'hésitez pas vous aussi à le dire dans l'espace des commentaires et à donner vous aussi votre ressenti par rapport à cette mise à jour. Et pour en revenir, les planètes ont été changées avec le système de procédural. Vous pouvez voir que là déjà sur la bande annonce on est sur une planète vraiment juste magnifique. J'en suis sûr et certain que c'est une planète. Parce que c'est vrai que ces plantes-là qui sont sur la bande annonce, je les ai déjà vues, ces arbres-là, et j'étais tombé sur une planète paradisiaque. Alors, des fois, j'ai l'impression que les plantes, des fois, il y en a certaines, des fois, qui sont dans le paradisiaque, il y en a certaines qui viennent de la radiation, il y en a certaines qui sont. Tu sais, c'est un peu mélangé, et c'est ce que j'aime dans le système là qu'ils ont mis dans le procédural. J'aime bien ce système-là qu'ils ont implanté. Vous avez le ver géant aussi que vous pouvez voir sur l'écran. Le ver géant que j'ai pu voir deux, trois fois, qui est juste énorme. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment énorme. Non, mais déjà, au lancement de la mise à jour, les amis, on ne pensait pas qu'il allait y avoir tout ça dans la mise à jour. Il y a une mise à jour, on savait qu'il y a une mise à jour qui allait arriver, mais on n'en savait pas qu'il y avait tellement de choses dans cette mise à jour. La mise à jour est tellement énorme. Clairement, les amis, elle est tellement énorme. C'est juste fou, c'est un truc de malade. Donc toi, si t'es nouveau joueur sur ma chaîne et que tu n'hésites pas à me le dire si tu as acheté le jeu parce que t'as vu cette mise à jour, t'as vu cette bande annonce, elle t'a donné envie d'y jouer, ou si voilà les vidéos te donnent envie d'y jouer aussi, pourquoi pas. Je sais qu'il y a pas mal de j'ai pas mal de messages en ce moment sur ma chaîne en disant je suis nouveau joueur et tout, le jeu m'intéresse et tout. Donc voilà, j'ai pas mal de messages. En tout cas, merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires, ça aide vraiment la chaîne. Merci aux personnes qui partagent aussi la chaîne aussi, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous, vraiment merci à tous du soutien. Vous savez que vraiment je fais les vidéos avec vraiment voilà, un réel partage que j'aime totalement. Je fais vraiment avec le cœur ces vidéos-là et j'adore vous donner mes découvertes. Voilà. Et pour en revenir à cette mise à jour Origins, je pense pas que la prochaine sera pas énorme. Alors, je ne sais pas si 2021, on ne sait pas ce qu'il y aura. De toute façon, avec Hello Games, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. On ne sait jamais. Vous avez vu, on a été surpris avec Origins. Totalement, on a été surpris totalement avec Origins. Donc là, du coup, on ne sait pas du tout.
Il va y avoir peut-être des correctifs encore et tout. Il y a eu en tout trois correctifs sur le jeu. Donc maintenant il y aura un peu moins de bugs. Même si je trouve qu'ils ont fait vachement un effort, les amis. Clairement, ils ont fait un effort au niveau des bugs. Cette mise à jour Origins, je trouve qu'il y a vraiment. Mais pour un lancement, je trouve qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de bugs. Très 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 peu de bugs. En tout cas, pour ma part, j'ai pas eu de bugs. J'ai pas eu de bugs spécial. Par moment, le jeu il ramait un peu légèrement. Mais clairement, je trouve qu'ils se sont améliorés en termes de, tu vois, de lancement, d'une mise à jour, d'une grosse mise à jour, en termes de lancement. Eh bien, il n'y a pas de bug. J'avais pas de bug, clairement. Donc, félicitations à Hello Games pour cette mise à jour, qui est juste splendide, clairement. Il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment, en termes de découverte, il n'y a rien à dire. Regardez les grosses bestioles comme ça, les gros insectes et tout, c'est juste énorme, clairement. Et comme je vous disais, je pense que on n'aura pas une grosse mise à jour comme ça en 2000. Il y aura d'autres mises à jour. Hein, il y aura d'autres mises à jour. Je pense qu'il y aura d'autres mises à jour. Je pense que Hello Games, ça n'a pas fini avec No Man's Sky. Je croise les doigts pour qu'ils nous mettent des multi-outils, d'autres multi-outils, d'autres multi-outils. Je croise les doigts, vraiment clairement. Là, ça c'est vraiment mon souhait le plus cher que. D'avoir des nouvelles armes dans No Man's Sky et d'avoir des nouveaux multi-outils, des multi-outils même qui ressemblent aux vaisseaux vivants, ça serait juste énorme, clairement les amis, ça serait juste énorme. Et voilà, donc les volcans aussi qui sont juste énormes. Et c'est vrai que quand tu connais pas le jeu, tu connais pas le jeu, je me rappelle. Là, je vous parle de souvenirs, mais quand je me rappelle du jeu, comment il était en 2016, les amis, parce que moi je joue depuis 2016, si vous n'êtes pas au courant pour les nouvelles personnes qui tombent sur cette vidéo-là, oui, j'y joue depuis 2016, j'ai pas arrêté d'y jouer au jeu, j'ai arrêté quelques peut-être à chaque fois, bon, à chaque fois j'arrête pendant quelques petites semaines, mais j'y joue depuis 2016, et je peux vous dire que le jeu a eu des changements, mais juste impressionnants. En termes de procédural, il a eu des changements impressionnants. Et surtout avec cette mise à jour Origins, parce que c'est un jeu procédural, c'est pour ça que le jeu, automatiquement, le jeu pèse pas très bien lourd. Mais, en termes de 2016, tu passes de 2016 à 2020, il y a juste un écart juste monstrueux. C'est juste un travail monstrueux qu'ils ont pu accomplir. Donc je pense que le jeu n'a pas fini de nous surprendre, les amis. 2021, c'est pas fini. Il y a la prochaine génération de consoles qui sort. Vous savez que vous aurez les tests sur la chaîne. Ça, n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne. Vous aurez les tests, même sans mise à jour optimisation. Sans la mise à jour optimisation, vous aurez les tests de la Series X et de la PS5 sur la chaîne de No Man's Sky. Et certains d'autres jeux aussi auront le test. De certains jeux que j'ai aussi, que je joue beaucoup, et vous aurez ça sur la chaîne. J'aime bien vous donner mon avis, comme ça certaines personnes, s'ils jouent au jeu, ils peuvent se faire un avis à ce que j'ai pu constater sur les deux consoles PlayStation et Xbox. Voilà. Mais ce qu'on sait, les amis, c'est que le jeu sera compatible, ça on le sait très bien, on pourra jouer sur PlayStation 5, on pourra jouer sur Xbox Series X, avec l'amélioration des consoles, donc du SSD qui va améliorer. Le chargement des chargements, je pense qu'au niveau déjà il y aura moins de bug mapping, tout le bazar et tout le truc, hein, tout le truc, tout le clipping, tous ces trucs-là, vraiment, enfin, je vais pas passer dessus, mais voilà, toutes ces choses-là, vous savez que c'est des choses que quand vous arrivez sur votre planète, ça rame, la planète met très longtemps à charger, toutes ces choses-là vont être améliorées sur les prochaines consoles, mais attention. De base, sans l'amélioration des développeurs, sans l'amélioration de base, simplement comme ça t'installe le jeu sur la console, déjà le jeu va avoir déjà une amélioration. Parce que déjà avec le SSD, ça va pousser le jeu déjà beaucoup plus. Ça, j'ai hâte de savoir comment le jeu va être dessus, vraiment. Et si Hello Games nous donne une mise à jour optimisation du jeu sur PlayStation 5, ah mais là ça va juste être énorme, s'ils font vraiment le taf. Ils ont déjà vraiment fait un taf juste génial pour la Xbox One X. La Xbox One X, clairement, ils ont fait un taf juste monstrueux. Clairement, moi je joue en 4K sur ma One X.
J'ai pas des sources. Après, c'est pas du 60, c'est du 30 FPS, 4K 60, 30 FPS. Mais c'est pas comme sur PS4. PS4, on joue sur la standard, mais c'est différent. Vraiment, sur Xbox One X, les amis, vous avez beaucoup plus de couleurs, le jeu rame moins déjà, parce que la console, c'est la. Pour le moment, à l'heure actuelle que je vous parle, c'est la console la plus puissante pour l'heure actuelle. Et du coup, clairement, imagine juste ce jeu avec Origins, la mise à jour Origins, avec tous ces mondes-là à découvrir sur les prochaines consoles. Pour moi, je pense que ça va juste être énorme. Voilà. Donc, c'était un peu le débat, un peu prochaine console. Mais vous savez mon avis sur la mise à jour Origins, qui est juste, je lui mets juste un 10 sur 10, clairement. 10 sur 10. N'hésitez pas à vous donner vos retours dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi, toi aussi, si tu vas y jouer sur la PlayStation 5 ou sur la prochaine Xbox. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, ça peut être très intéressant. Comme ça, hein, je vais pouvoir voir si des gens vont pouvoir jouer au jeu. En tout cas, moi, le jeu, vraiment, il me hype vraiment très, très, très fortement. J'ai hâte de savoir comment il va être sur les prochaines consoles. Et j'ai surtout hâte aussi que bien sûr, Hello Games nous confirme. La mise à jour optimisation pour les prochaines consoles quand même. Donc j'espère qu'ils feront ça. Ils l'avaient fait pour la Xbox One X. Ils l'ont fait pour la Xbox One X. Donc pourquoi pas ils le feront pas pour est-ce qu'ils feront pas pour la prochaine console. Je pense que moi les amis, franchement, clairement entre nous, j'ai quand même fortement espoir. Allez, je suis presque sûr. Après c'est que mon avis à 80%. J'y pense quand même à 80%. Qu'ils le feront. Ils le feront parce que le jeu est juste. Il a fait tellement beaucoup de ventes. Comme ils ont dit, c'est pas fini, il y aura d'autres mises à jour. Donc, je pense que le jeu sera optimisé sur les prochaines consoles et c'est pas fini. Même s'il y a des mises à jour qui arriveront, peut-être payantes, je ne sais pas. En tout cas, on ne sait jamais avec Hello Games. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça sur cette vidéo-là. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis, ciao, bye, à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous, bisous, à la prochaine.